Et bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce 31e live du CFPJ, 31e jeudi qu'on passe ensemble, alors pas tout le jeudi non plus, je vais pas vous empoisonner la vie, mais tous les jeudis midi, comme vous le savez, on se retrouve pour parler des sujets qui intéressent le CFPJ, à savoir les médias, le journalisme, la communication dans son acception la plus large, et puis comme aujourd'hui, eh bien, les réseaux sociaux, parce qu'aujourd'hui c'est quand même un élément assez important dans nos vies, dans l'économie aussi, et aujourd'hui on va parler de Twitter, de X, de ce réseau social qui a connu des bouleversements assez conséquents ces derniers temps. Bienvenue, installez-vous, vous êtes déjà assez nombreux dès le début de ce live, rejoignez-nous. Donc, comme d'habitude, pour celles et ceux qui l'auraient oublié ou qui ne le savent pas encore, vous pouvez participer, c'est même pas obligatoire, mais presque, dans le chat. N'hésitez pas, que vous nous regardiez sur YouTube, sur Twitch, sur LinkedIn, n'hésitez pas à poser toutes vos questions. N'hésitez pas également à suggérer des idées de sujets à aborder pour les semaines à venir. Hein. Ce sujet de Twitter X, il est venu parce qu'on avait eu un commentaire dans un live précédent à ce sujet-là, qui s'interrogeait justement sur est-ce que Twitter, ça marche encore depuis la reprise en main d'Elon Musk? Est-ce qu'on a des chiffres? Écoutez, j'ai essayé de chercher pour vous. Pas évident, on va le voir. Mais donc aujourd'hui, on va s'intéresser à X, Twitter. Vous m'en voudrez pas si je parle encore de Twitter. L'URL n'a pas changé sur Internet, donc on a le droit. Et puis c'est vrai que c'est quand même plus commun et plus facile. Donc est-ce que ce réseau social, il fonctionne encore? Quelles sont ses perspectives? Est-ce que les gens l'utilisent? Est-ce que les annonceurs sont toujours là? Comment ce modèle économique peut-il perdurer? Et puis surtout, est-ce qu'il y a des alternatives? On va en voir quelques-unes, notamment Blue Sky, qui est en titre de cette vidéo et de ce live. On va explorer un petit peu à quoi ça ressemble. Vous verrez que c'est, mine de rien, assez similaire. On verra d'ailleurs si c'est pas là, peut-être un problème. Donc on va aborder ces questions-là. Donc encore une fois, vous n'hésitez pas à vous saisir du chat. Hein. L'idée, c'est vraiment d'en profiter. Et si vous avez des questions qui ne concernent pas du tout le sujet du jour, c'est pas grave, vous pouvez poser quand même ces questions. Il n'y a aucun souci. Donc bienvenue à toutes et à tous. On est ensemble pendant quelques minutes, hein, une demi-heure, 40 minutes. Tout dépendra aussi des questions que vous avez, des remarques, etc., qui jalonneront ce live. Twitter, donc, Twitter, en tout cas, c'était le nom qu'on donnait à ce réseau social jusqu'à il y a à peu près un an, avec la reprise en main d'Elon Musk. Et c'est vrai qu'il y a cette question, maintenant, un an après. Est-ce que le réseau est en train de mourir? Est-ce qu'il a drastiquement changé? Est-ce que finalement, l'un dans l'autre, c'est toujours la même chose? On va regarder. Moi, je me suis penché sur les chiffres. Alors, beaucoup de chiffres, pas toujours évident de trier ce qui est fiable, ce qui ne l'est pas. J'ai essayé au maximum, moi, de m'appuyer à la fois sur des articles, notamment je vous recommande un article de Numérama. Hein, quand vous cherchez bilan Twitter, Elon Musk, en général, vous allez trouver cet article. Numérama, très bonne rédac. Salut Vincent Lecoq de l'équipe Mercutio, formateur au CFPJ et expert, hein, Vincent, voilà, rien d'autre à dire, grand expert des réseaux sociaux qui fait partie des intervenants autour de ces thématiques-là, également du parcours Social Media Manager que je ne peux que vous recommander, tant il est pointu et aussi très vivifiant quand on met la main et les mains dans cette matière-là, et c'est une chouette formation co-animée notamment par Vincent et par les camarades de l'équipe Mercutio, entre autres, que je salue. Beaucoup de chiffres, beaucoup de data, on va essayer un peu de trier, et donc cet article de Numérama sur lequel je me suis en partie appuyé, en plus d'autres outils, qui permet déjà d'y voir plus clair. Et Ambre qui est avec nous, salut Ambre, Ambre aussi, formatrice CFPJ, je ne sais pas, que faut-il dire sur Ambre, si ce n'est que c'est la meilleure personne au monde, voilà, tout simplement. Et Ambre, tu nous dis si Jack Dorsey est en train de prendre sur Elon Musk, pour le moment non, mais pendant ce temps, what I see all over the place, j'ai mon chat qui bug, all over the place is people who care about looking good while doing evil, fuck them, du Elon dans le texte. Oui, Jack Dorsey, donc un ancien Twitter dont on a dit, alors, qui ensuite a fait partie à la base, hein, de l'équipe qui a un petit peu lancé Blue Sky, qui a été au conseil d'administration,
duquel il s'est clairement désengagé. Il a disparu de l'application Blue Sky, on y reviendra. Jack Dorsey, dont l'attitude effectivement est du Elon Musk pur jus, avec des forts relents complotistes, des propos assez réactionnaires sur tout un tas de sujets. Et c'est vrai qu'il semble quand même s'être effacé du projet Blue Sky, qu'on a souvent présenté comme l'alternative à Twitter par des anciens de Twitter, ce qui est donc en partie vrai et en partie pas tout à fait vrai. Personnalité effectivement assez particulière, c'est le moins qu'on puisse dire, et tout à fait proche dans les codes d'Elon Musk. Et Vincent, alors là en plus on fait un grand jeu, Vincent qui nous dit dans le chat, j'ai deux invitations Blue Sky si tu veux en offrir. Donc voilà, vous savez, on va en reparler, hein. Blue Sky, c'est un réseau qui n'a qu'à peu près 2 millions d'utilisateurs aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'il essaye de grandir petit à petit, et notamment en restreignant les connexions. Il faut avoir un code, il faut en quelque sorte être coopté. Et salut Christelle, bienvenue. Et donc pour être coopté, il faut avoir ce code que seuls les actuels utilisateurs de Blue Sky ont, donc évidemment, et ils les ont au compte-gouttes. Donc voilà, tout ça fait partie d'un vaste marché noir. Et donc Vincent, très généreusement, qui offre deux invitations pour tester ce réseau et voir à quoi ça ressemble. On ira voir à quoi ça ressemble évidemment aujourd'hui. Alors... Aujourd'hui, on peut noter, selon les données qui viennent d'Aptopia, qui viennent de Sensor Tower, sur le trafic mobile de Twitter, vers Twitter, ce trafic il a chuté de 14% sur les 11 derniers mois. On est passé de 142 millions d'utilisateurs actifs mensuels en novembre 2022 à environ 123 millions d'utilisateurs actifs mensuels, c'était en août 2023. Donc on voit là, quand on regarde ces premiers chiffres, on se dit ok, il y a une baisse, 14% d'utilisateurs mensuels. Tout ça est à relativiser, à pondérer évidemment. Mais c'est quand même très compliqué d'avoir des chiffres solides. Selon Elon Musk lui-même, Twitter n'aurait jamais eu autant d'utilisateurs. Ça, c'est en novembre 2022, juste après son arrivée, le milliardaire se félicitait par exemple d'avoir attiré 2 millions de visiteurs quotidiens supplémentaires en un mois seulement. On peut tout à fait d'ailleurs imaginer qu'il ait raison, hein. Il y avait un effet de curiosité, on reparlait de ce réseau social qui s'était peut-être un petit peu sclérosé, phénomène de curiosité qui n'est pas du tout antinomique avec le fait que sur une tendance plus longue, le réseau a perdu des utilisateurs mensuels. Donc Elon Musk, lui, dès son arrivée, très vite après, il déclare avec fracas, le réseau n'a jamais été aussi vivant, c'est formidable, tout se passe bien. Tout support confondu, Twitter annonce pour sa part, donc Twitter X, entre 200 et 250 millions d'utilisateurs quotidiens. Ça, c'est l'entreprise qui l'annonce. C'est donc à prendre avec ce qu'on appellera les pincettes d'usage. Ça signifie tout de même que X ferait moins bien que Twitter, qui avait 15 millions d'utilisateurs de plus avant le rachat. Donc, quand même intéressant. Et là, on retrouve à peu près les mêmes proportions de baisse en valeur absolue que le trafic vers mobile. C'est intéressant puisqu'on voit que ces données-là, qui viennent de sources différentes, semblent quand même traduire une dynamique plutôt globale et un certain écho. Certaines cohérences. Et ça, vraiment, c'est les chiffres qu'on va retrouver globalement de la part de tous les instituts indépendants. Je me suis penché aussi sur le cas de la France. Vous avez vu d'ailleurs assez récemment, je crois que c'était le mois dernier, nous sommes les champions d'Europe de la violence sur Twitter. Je ne sais pas si vous aviez vu le nombre de posts sur une période, je crois, qui était de fin août à mi-octobre. Sur cette période-là, en France, il y avait eu 16 000, je crois, signalements, tweets signalés, bloqués pour violence des propos, violence des images. C'était 15 fois plus, 14 fois plus qu'en Finlande, 10 fois plus qu'en Suède. C'était 4 ou 3 000 de plus qu'en Allemagne. On était les champions d'Europe de la virulence, voire de la violence en ligne sur Twitter. En tout cas, quand on regardait les signalements, ça, c'est des chiffres de X Twitter qui avaient été publiés. Pas de quoi être particulièrement fier, ceci étant, mais enfin bon, on est premier dans les classements qu'on peut, me direz-vous. Alors, concernant la France, il y a des données de SimilarWeb qui estiment une perte, et là, on retrouve encore ce chiffre, de 13% de trafic web. Ceci étant, il y a une autre donnée que moi, j'ai trouvée qui est intéressante, c'est Médiamétrie, que vous connaissez. On en a parlé, Médiamétrie, quand on a parlé notamment des audiences radio, télé. Médiamétrie évoque une hausse
de 4 millions de visiteurs mensuels. Mais là encore, ce ne sont pas des données qui sont incompatibles. On peut tout à fait observer une baisse de l'utilisation régulière, mais une hausse des visites, c'est-à-dire des personnes qui vont, notamment parce que dans l'article qu'elles ont lu, elles vont être basculées vers un lien qui amène vers le réseau, etc. Donc, c'est pas forcément contre-intuitif d'avoir ces deux éléments en tête. Et quand on regarde, j'étais tombé, on vous le mettra hein, sur LinkedIn, quand on regarde, il y a des chiffres notamment de Sensor Tower, des recherches aussi du Washington Post, qui montrent quand même que les utilisateurs actifs quotidiens de l'appli, depuis octobre 2022, on voit qu'il y a un regain d'octobre à novembre, et puis ensuite ça baisse. Et ça baisse assez fortement, on est sur effectivement les moins 14%. Là où pour les autres réseaux sociaux, ça aussi c'est intéressant, parce que quand on voit qu'avec à peu près les mêmes indicateurs, les mêmes façons d'observer, bah on va voir que Snapchat a plutôt augmenté, avec un plateau là qui est installé depuis l'été, Instagram, puis YouTube, qui sont tous sur des dynamiques, on va dire, légèrement haussières. TikTok qui a un petit peu baissé là sur les 4 derniers mois. Et Facebook qui est en dessous des 4 cités plus haut, mais qui est relativement stable. Et Twitter est vraiment le seul à avoir connu une chute vraiment marquée. Donc ça, c'est quand même assez clair. Et Amb qui nous cite une autre source d'infos qu'on pourra aller voir, c'est la fondation Descartes. Amb qui nous dit sont surtout des bulles d'écho. N'hésite pas à développer si tu le souhaites, Ambre, bien sûr. Mais on voit en tout cas que X, de toute évidence, a perdu. A perdu en vitesse, en croissance, et en tout cas a perdu des utilisateurs actifs. Alors, la question qu'on peut se poser, évidemment, c'est pourquoi ça baisse. Il faut rappeler que Twitter, à l'origine, c'est quand même un réseau qui n'a jamais réussi, je vais dire, à exploser le plafond de verre. C'est pas Facebook. Autant à un moment, je vais pas dire tout le monde était sur Facebook, mais pas loin, et encore aujourd'hui, autant Twitter n'a jamais été ce réseau-là. Ça a été un réseau quand même très vite qui a été le réseau, bah, notamment des journalistes. Quand en formation au CFPJ, on se questionne sur comment toucher des journalistes, comment dialoguer avec eux, ou comment même eux s'informent, Twitter et X reviennent régulièrement. Moi, en tant que journaliste, j'utilisais vraiment Twitter aussi par la possibilité de faire des listes. Moi, je me souviens, quand j'avais couvert la Coupe du Monde de foot en 2018, bon, bah, j'avais ma liste avec l'intégralité des joueurs de l'équipe de France, l'intégralité du staff qui tweetait régulièrement. Parfois, c'était des tweets très institutionnels qui n'avaient pas d'intérêt, mais souvent, on avait aussi bah, des posts un petit peu plus personnels de la part des joueurs, et ça, c'était intéressant. Donc, très tôt, on a eu beaucoup de journalistes, des communicants. Donc, c'est vrai qu'on va presque dire que le public du CFPJ était sur Twitter. Et d'ailleurs, c'est encore le cas parfois sur certaines versions de Twitter, notamment, je crois, sur Internet, quand on n'utilise pas l'appli. De plus en plus, avant d'écrire un petit tweet, on avait ce message, je ne sais pas ce qui est écrit aujourd'hui, je vais regarder, mais souvent, le message, c'était « quoi de neuf ?» Et ça, c'est typiquement aujourd'hui, voilà, quand moi je veux tweeter, avant d'écrire mon tweet, en grisé, il y a marqué quoi de neuf. Et bien avant cette question-là, c'était pas quoi de neuf au tout début de Twitter, c'était what's happening around you ou what's happening, qu'est-ce qui se passe, voilà. Et c'est intéressant parce que pour moi, ça traduisait très bien la volonté de Twitter de s'ériger en un réseau d'informations et de, entre guillemets, d'une certaine manière, bah, tout le monde est un peu journaliste. On peut tous être témoin de quelque chose qui se passe autour de nous, et bien on le tweet. On prend une photo, on prend une vidéo, et ça, c'était très utile. Et encore aujourd'hui, beaucoup de journalistes couvrent des sujets en démarrant sur Twitter. Hein. Quand nous, on devait retrouver les auteurs, je ne sais pas moi, d'une tentative d'assassinat, d'un attentat, que sais-je, parfois, Twitter nous aidait. Quand on avait des tremblements de terre en Italie, au Népal, et qu'on ne pouvait pas être sur place tout de suite, Twitter nous aidait. Pourquoi ? Parce qu'on savait que sur place, des gens allaient tweeter, allaient raconter, témoigner, ça nous permettait de rentrer en contact avec des témoins. Donc Twitter avait vraiment cette vocation-là, être un réseau de l'ultra-instantané, et ceux qui travaillent dans l'ultra-instantané, c'est quand même beaucoup les journalistes de hard news, hein, ceux qui travaillent vraiment, bon, les chaînes d'infos en continu, mais même les journalistes, on va dire, qui font de l'info quotidienne.
Et le lien direct pour l'élément que Ambre nous, nous mettait, donc j'affiche le petit tweet, mais vous pourrez retrouver évidemment dans les commentaires du live le lien avec les fameuses bulles de filtre. Vaste sujet que ces bulles de filtre. Et on verra d'ailleurs que Blue Sky se différencie un petit peu de ce point de vue-là de Twitter. Donc on voit qu'il y a quand même une sacrée évolution de Twitter aujourd'hui. Twitter est quand même devenu un vrai gros réseau. Je ne vais pas dire de fake news, hein. Il y a des tas de choses très bien sur Twitter, mais enfin, un réseau en tout cas sur lequel on est obligé d'être dans la vérification systématique, comme on l'est de toute manière et comme on doit l'être pour tout contenu numérique et tout contenu en général. C'est toujours avoir un doute un peu systématique, c'est toujours très bien. Alors, les changements apportés par Elon Musk, évidemment, font partie des raisons pour lesquelles X a sans doute perdu quelques plumes. Les politiques de modération d'abord, hein. L'un des grands gestes forts, ça a été le retour de Donald Trump. Musk avait pour parti pris de dire « moi, je veux vraiment que ce soit le réseau de la liberté d'expression, mais une liberté d'expression totalement débridée », ce qui nous interrogera philosophiquement sur la notion de liberté, bien évidemment. Mais du coup, avec la prolifération, qui est bien renseignée d'un point de vue statistique, des discours haineux, des informations erronées, de la mésinformation, de la désinformation, de la malinformation. Et ça, c'est assez clair. Et il est intéressant de noter d'ailleurs que pour la très grande majorité des gens qui tombent sur une fausse info sur Twitter, ou sur une info tout court d'ailleurs, le réflexe de ces gens-là, en très grande majorité, n'est pas de vérifier l'information sur Twitter, mais de la vérifier ailleurs. Preuve que le réseau a vraiment cette image sulfureuse d'un réseau qui a du mal à instaurer une relation de confiance finalement. Et c'était encore pire évidemment aujourd'hui avec la politique de rémunération et de certification, puisque vous savez qu'aujourd'hui on paye, on peut payer pour que nos tweets soient effectivement mieux mis en valeur. Ça, on en avait parlé quand on avait exploré l'algorithme de Twitter il y a quelques lives en amont. Et on voit bien à quel point, du coup, aujourd'hui, finalement, ce sont des gens qui payent pour dire n'importe quoi et dont les tweets vont être relayés. Et aujourd'hui, les tweets peuvent permettre d'être un petit peu rémunérés au buzz, au retweet, au like, à la conversation, etc. Et du coup, forcément, on a encourage, le nouveau modèle économique de Twitter encourage quand même beaucoup à ce qu'il y ait une espèce d'émulation malsaine pour le coup. Alors, il y a aussi un élément important qui a pu, et ça on en reparlera juste après au niveau des financements, mais l'incertitude concernant l'avenir de Twitter, c'est quand même quelque chose de très puissant. Le rachat de Twitter, il est toujours en cours de finalisation, il me semble. Les intentions, elles ne sont pas hyper claires non plus, parce qu'au-delà des grandes déclarations d'Elon Musk sur « ce sera à nouveau le réseau de la liberté d'expression » et en même temps sur des discours de haine débridés, on ne voit pas vraiment où ça veut aller. On sait qu'Elon Musk aimerait bien faire de Twitter une application qui permettrait de faire des tas de choses, notamment par exemple de payer. Mais tout ça manque de cohérence encore. Et ça, évidemment, ça ne peut pas attirer les gens. La concurrence, évidemment, Twitter n'a jamais été le réseau mastodonte, à plus forte raison avec l'émergence de concurrents solides. D'abord, on a Instagram qui a quand même plutôt bien réussi un virage avec la vidéo courte, ce que Twitter n'a pas réussi à faire. Faut rappeler que quand Twitter arrive au tournant des années 2010, la vidéo sur Internet, elle est plutôt rare. Il n'y a pas la 4G, le très haut débit n'est que très peu déployé, donc à l'époque, publier de la vidéo, c'est pas quelque chose d'anodin, c'est quelque chose qui consomme du temps, de l'énergie, de la batterie, donc finalement, il va falloir du temps pour ça. Et évidemment, le réseau de la vidéo aujourd'hui, c'est TikTok, qui a pris le pas sur tous les autres, Instagram a plutôt bien embrayé, YouTube a pas si mal embrayé, et mine de rien, Facebook réussit tant bien que mal à survivre, là où Twitter a pas forcément réussi son pari. Donc, au-delà même d'Elon Musk, de toute manière, on voit bien que la concurrence a réussi à étendre ses formats, à aller chercher de nouvelles façons de raconter des histoires, là où Twitter est resté engoncé, même si, effectivement, on n'est plus sur des tweets aussi courts qu'auparavant. Ça, souvenez-vous-en,
Si vous étiez là, on en avait beaucoup parlé sur TikTok. La force de l'algorithme de TikTok qui vient se coupler avec l'interface et qui fait que l'algorithme, il sait très bien ce qu'on regarde parce qu'il n'y a jamais qu'un seul contenu à l'écran. Là où Twitter, pendant très longtemps, avec des tweets très courts, n'était pas capable de savoir si quand je restais sur une partie de la page, c'était pour voir le tweet numéro 1, le numéro 2, le numéro 3. Donc l'algorithme n'arrivait pas à cibler exactement ce que je recherchais. Aujourd'hui, ça disparaît un petit peu. Pour une simple raison, c'est que les tweets ont été rallongés, donc ils prennent plus de place dans l'écran. Donc en général, quand je m'arrête sur un tweet, l'algorithme comprend bien duquel il s'agit. Sur Internet, c'est pas encore ça, parce qu'évidemment, l'écran est plus grand, on peut voir plus de tweets, mais la tendance, elle va vers ça. Et ça, c'est quelque chose de fondamental, parce que ça permet tout de suite aux algorithmes de beaucoup mieux cibler. Je parlais de l'exacerbation des extrêmes. 74% de la désinformation sur le conflit israélo-palestinien serait tweetée par des comptes certifiés qui payent pour passer devant les autres. Ça, c'est ce que rapporte Numérama dans un article tout récent. Donc 74% de la désinformation sur le conflit qui serait tweetée par des comptes certifiés. Alors, ça, c'est important parce qu'on voit là la patte d'Elon Musk. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir qu'avant l'arrivée d'Elon Musk, Twitter avait déjà des problèmes avec les robots. Et par exemple, sur le conflit russo-ukrainien, il était intéressant de remarquer que l'algorithme de Twitter, je ne sais pas si c'est encore le cas, pénalisait les tweets qui renseignaient le mot « Ukraine ». Pourquoi ? Pas parce que Twitter avait un positionnement politique, pas du tout, mais en fait parce que Twitter s'était rendu compte qu'il y avait énormément de robots russes qui tweetaient à propos de l'Ukraine et que leur seul moyen de réduire ça, c'était de plomber les tweets qui parlaient de l'Ukraine. Malheureusement, il y avait des victimes collatérales là-dessus puisqu'il y a des tas de journalistes qui tweetaient sur l'Ukraine et donc leurs tweets restaient visibles bien évidemment, mais perdaient quand même un petit peu en impact parce que l'algorithme les faisait redescendre en termes de visibilité. Alors là, on voit pour le coup qu'avec l'arrivée d'Elon Musk, c'est la prolifération des comptes qui peuvent maintenant, simplement en payant, s'offrir un boost de visibilité pour leurs tweets. Je voudrais pas dire de bêtises, hein, mais dans l'algorithme, on le voyait bien, le boost. Il était peut-être même de 30, mais je voudrais pas dire trop de bêtises, mais il est conséquent. Et ça, c'est quand même pas anodin non plus. Ça, c'est un effet concret de l'arrivée d'Elon Musk. Maintenant, que va-t-il faire avec ce réseau ? Ça, on ne le sait pas, la stratégie n'est pas claire. Et pour les utilisateurs, une stratégie pas claire, c'est rarement engageant. Donc, il faudra voir. Au-delà des utilisateurs, l'autre point moi, que je voulais aborder avec vous, n'hésitez pas à se poser des questions, des réflexions. Et n'oubliez pas, notamment Valérie, merci de venir dans le chat et de laisser un petit commentaire. Valérie, si tu veux aller sur Blue Sky et découvrir ce réseau, nous avons Vincent qui offre d'habitude, ça se vend des milliers d'euros. Il offre un code de connexion pour découvrir et pour pouvoir créer son compte sur Blue Sky. On va en parler juste après, on ira voir. Moi, je me suis intéressé aussi, au-delà des utilisateurs, il y a un autre élément qui est fondamental. Moi, je me suis fait la réflexion en regardant Twitter. Il y a beaucoup de pubs, mais des pubs bizarres. Je ne sais pas si vous avez remarqué, il n'y a plus ou beaucoup moins de pubs, on va dire, classiques ou de marques qu'on connaît tous et toutes. Et ça, en fait, c'est quelque chose que le Wall Street Journal a parfaitement vu. Ah bah voilà, Valérie, Vincent, Valérie, voilà. Il y a un intérêt pour le code Blue Sky. Je crois que j'en ai un aussi à donner. Je ne sais pas si on peut considérer ça comme un immense cadeau, mais enfin voilà, n'hésitez pas, si vous êtes plusieurs dans le chat, n'hésitez pas. C'est le Wall Street Journal qui a noté, qui a remarqué que les gros annonceurs avaient quitté la plateforme. Ça, pour le coup, c'est hyper intéressant. Parce que là, ça montre bien à quel point cette absence de projet, ce côté un peu erratique dans la communication et l'espèce de durcissement complotico-réactionnaire de Twitter désintéresse, provoque le désintérêt des utilisateurs, mais fait peur aux gros annonceurs. Et selon une enquête de Forrester Research, 500 annonceurs ont suspendu ou réduit leurs dépenses publicitaires sur Twitter depuis le rachat de Musk. Voilà. Là, vous avez quand même un chiffre qui raconte quelque chose. Les annonceurs craignent que la plateforme ne devienne un espace hostile aux marques parce qu'à un moment, si vous avez des comptes très visibles qui entretiennent la haine, qui, pour gagner de l'argent, entretiennent des polémiques, vous êtes une marque, vous êtes une institution,
Bah, vous savez qu'en fait, vous êtes juste en train, en allant sur Twitter, de mettre un pied dans la mare aux crocodiles. Je ne sais pas s'ils sont dans les mares, les crocodiles, d'ailleurs. Plutôt les canards. Bon, bah, vous mettez la mare, le pied dans la mare des canards carnivores. C'est... Aujourd'hui, je ne dis pas que c'est suicidaire d'aller sur Twitter quand on est une marque ou une institution, mais c'est compliqué. Donc, on peut légitimement comprendre les annonceurs qui craignent aussi l'incertitude, je cite le rapport, quant à l'avenir de Twitter, qui rend difficile la planification des campagnes publicitaires. Si les conditions changent, si la visibilité change, ça devient compliqué. Et on sait qu'Elon Musk, via SpaceX, a acheté lui-même des espaces publicitaires parce que c'était compliqué et qu'aujourd'hui, en vérité, les annonceurs présents sur Twitter, en grande partie, sont des annonceurs qui sont tantôt des arnaques, tantôt des boîtes qui font du dropshipping, ce qui peut s'apparenter à de l'arnaque. C'est compliqué. Alors, maintenant qu'on a dit que Twitter, c'était quand même pas jojo, la question c'est qu'est-ce qu'on fait ? Où est-ce qu'on va ? Donc, moi j'ai listé trois grandes alternatives. Alors, il y en a une sur laquelle je vais pas m'apesantir parce que je ne la connais pas très bien et... Son manque d'intuitivité dans l'interface semble avoir un petit peu rebuté pas mal de monde. C'est Mastodon. On en a beaucoup parlé à une époque, au moment du rachat de Musk. C'était un peu l'effervescence. Il n'y avait vraiment pas d'alternative. Et il y avait ce truc qui avait l'air très bien, mais un peu compliqué d'abord. Donc, un usage pas dingo. Et au final, aujourd'hui, Mastodon, plus grand monde en parle. Même si... plein de gens ont créé leur compte. Mais enfin, c'est pas non plus une migration manifeste. D'autant que ce qu'on a beaucoup de mal à voir et on n'a pas vraiment de chiffres, c'est de voir si les gens qui vont plus sur Twitter vont ailleurs. Ça, c'est compliqué. On peut avoir des corrélations, mais on aura rarement des études suffisamment qualitatives pour constater un lien de causalité. Alors, on a évidemment un réseau que nous ne connaissons pas, nous autres simples mortels français. C'est Threads, du groupe Meta. Vous l'avez peut-être vu passer, parce qu'il y a eu pas mal d'articles. Threads qui annonçait avoir atteint les 100 millions d'abonnés. Je vais juste vous montrer leur page quand on va sur leur site, parce qu'ils ont un site, évidemment, ils ont une appli, ils ont tout ce qu'il faut. Donc vous voyez, tout de suite, c'est très clairement mis en évidence, c'est lié à Instagram, sauf que nous, on ne peut pas y aller en France et en Europe, dans l'Union Européenne, pour des questions de législation et de protection des données. On patiente. Et bonjour Marianne, bienvenue. On est en train de dire que Twitter, c'est plus aussi merveilleux qu'avant. Et on est en train de se poser la question de qu'est-ce qu'on fait alors si on ne va pas sur Twitter ? Parce qu'on ne peut pas. Il faut qu'on aille sur un réseau social. Vous êtes accro comme moi. Donc, Threads, qui est un réseau intéressant, qui. On est vraiment dans du méta pur jus, mais pour l'instant, on ne peut pas le tester. Alors, bien sûr, si vous avez un VPN, si vous êtes capable de vous connecter de telle sorte que. On a l'impression que vous n'êtes pas en France, mais aux États-Unis, vous pourrez créer votre compte. Est-ce que le jeu en vaut la chandelle en sachant qu'il y a une utilisation de vos données qui est quand même particulière ? Ça, chacun jugera. À titre personnel, je peux patienter encore quelques mois si Threads a besoin de mettre à jour et surtout sa façon de fonctionner. Donc, en tout cas, un réseau qui a annoncé 100 millions d'utilisateurs. Alors attention, parce que je suis tombé sur un article du Monde qui soulignait cet été que, après un démarrage en trombe, et je cite l'article, la nouvelle plateforme lancée par la maison mère de Facebook connaît un sérieux ralentissement, avec un nombre d'utilisateurs actifs quotidiens qui diminue de près de 80% en un mois. Et c'est ça qui est intéressant en vérité, et ça je trouve que c'est même très intéressant d'un point de vue beaucoup plus large quand on réfléchit sur les réseaux sociaux. Trouvez-moi un réseau social qui en a remplacé un autre, j'allais dire, poste pour poste. C'est une question que je me pose maintenant. En fait, j'ai pas l'impression qu'on ait vraiment des réseaux sociaux qui se remplacent les uns les autres. Facebook, il n'y a pas un réseau social qui ressemble à Facebook qui aurait pris sa place. YouTube, pas vraiment. À un moment, il y avait Dailymotion, ils se sont battus. Il y en a un qui a perdu, et puis YouTube a continué. On parle de Twitch. Très bonne question, Twitch. Twitch, aujourd'hui, connaît un vrai plafond de verre. Mais parce que Twitch, c'est pas un vrai concurrent de YouTube non plus. Twitch, c'est surtout du live. C'est pas du tout
de la VOD. Ça peut être de la VOD, mais pas dingo. Pas dingo, en vérité. Donc, moi, je me demande, en fait, si un réseau social peut vraiment être remplacé par quelque chose de similaire. Ou s'il faut plutôt qu'il y ait du plus. Et ça, je pense qu'on va pouvoir, en regardant Blue Sky, peut-être étoffer cette réflexion. Je vous laisse, les amis qui cherchent des codes Blue Sky, revenez vers moi si jamais vous en cherchez. Il y a Vincent qui en donne, vous pouvez rentrer en contact avec lui, bien sûr. Il est très présent sur les réseaux sociaux. Vous pouvez m'écrire aussi, bien sûr, si vous voulez tester. On va regarder ça dans un instant. Mais en tout cas, la question qui se pose, en fait, c'est est-ce qu'il faut vraiment une alternative à Twitter ? Peut-être que le temps est passé et qu'aujourd'hui, bah, il faut passer à autre chose. Alors, Blue Sky, enfin, qui est quand même dans le titre de cette vidéo, qui est peut-être le réseau qui regroupe pas mal de choses intéressantes. Donc, Blue Sky, monté par ce qu'on a dit longtemps des anciens de Twitter, même si on en a parlé un petit peu, hein, c'était notamment à l'initiative un projet à la base interne lancé par Jack Dorsey, qui est un ancien de Twitter, qui est une sorte de d'ersatz d'Elon Musk. Hein, c'est pas du tout un parangon de justice, de rationalité éclairée, pas du tout. C'est vraiment à peu près le même bois qu'Elon Musk. Il s'est quand même fortement désengagé aujourd'hui de Blue Sky. Je vais vous partager mon écran. Je vais me mettre en tout petit pour que vous puissiez bien voir. Hop, voilà. Donc là, vous voyez, je vais me mettre sur la page d'accueil, Blue Sky, voilà. C'est relativement sobre, hein, vous aurez remarqué. Et surtout, ce qui va sauter aux yeux, là où Threads ressemble peut-être plus à un fil Instagram, là, pour le coup, franchement, on pourrait tout à fait dire c'est Twitter. Regardez à gauche, il y a la petite maison, il y a la petite loupe pour la recherche, le hashtag, les petites alertes, les listes. Là, c'est pour la modération, la petite main, ça change un peu. Voilà, le profil, les setups, etc. C'est très, 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 très similaire. Voilà, il n'y a pas énormément de différence en vérité. Donc Vincent, si tu es encore là, Valérie te demande un code. Donc Valérie, tu peux demander Vincent en ami sur LinkedIn s'il ne répond plus. Si Vincent ne répond plus au bout de 3 jours, qu'est-ce qui se passe? Il sera interdit de CFPJ, tout simplement. Parce qu'ici, on ne rigole pas avec les cadeaux et les promesses. Et si jamais, j'en ai un qui traîne, donc tu peux aussi m'écrire. Blue Sky, on l'a dit, pour ceux qui n'étaient pas là au début, 2 millions d'utilisateurs aujourd'hui. C'est pas beaucoup quand on parle des 100 millions de threads et des 140, 150 millions de Twitter X. Mais Blue Sky aujourd'hui restreint les gens qui ouvrent des comptes. Il faut être coopté. Donc il faut avoir un code. Et ce code, ces codes qui sont unitaires, seuls en disposent les gens qui sont déjà dans le réseau. D'où le terme de cooptation que j'ai choisi. Sur ce réseau, bah, vous allez retrouver les mêmes choses que d'habitude. Des médias, là, vous voyez, j'ai les jours. Alors là, je ne sais pas ce que c'est. Là, j'ai des scientifiques, des journalistes, des marques, etc. Le Washington Post, vous voyez. Notez que, comme pour Twitter, il y a le petit système de, j'allais dire, de pseudo, hein, de nom Twitter. Vous voyez, là, ça se fait toujours comme ça. Votre nom, .bsky, bluesky.social. Vous pouvez, je crois que c'est payant, payer pour avoir, comme le Washington Post l'a fait, @washingtonpost.com. Voilà, c'est plus joli, c'est plus simple, c'est plus sympa. Vous avez la petite loupe pour rechercher avec des suggestions. Voilà, ça c'est sympa aussi. Alors, vous avez les hashtags. Les hashtags, c'est pas tout à fait pareil. En tout cas, on va beaucoup fonctionner avec ce qu'ils appellent des feeds. Donc, c'est un peu proche des listes, en gros. Moi, par exemple, je me suis abonné, parce que vous voyez que je suis quelqu'un d'extrêmement fun dans la vie de tous les jours, à l'actu parlementaire française. Et quand je clique, bah, j'ai des parlementaires. Hein, c'est vraiment, ça regroupe voilà, Sandrine Rousseau, qui est sur Blue Sky, Public Sénat non officiel,
Alors ça, ça m'intéresserait de savoir ce que c'est que ce compte, parce que du coup, Public Sénat, c'est quand même un média qui existe. Donc, c'est très bizarre. Assemblée nationale. Alors, non officiel, ça va m'intéresser. Il faudra qu'on creuse le compte non officiel. Donc là, c'est des gens qui, finalement, agrègent des contenus autour d'eux. Ça permet de suivre tous ces comptes sans être abonné. Il y a des journalistes, hein, vous voyez ici. Bref, voilà, tout un tas d'infos. Alors, c'est pas encore la folie, hein. Quand on parle de 2 millions d'utilisateurs aujourd'hui sur Blue Sky, bah, c'est pas folichon, puisque ça fait quand même un petit milieu, hein, sachant qu'il y a beaucoup d'anglophones. Donc, c'est encore petit. Mais voilà, c'est un réseau intéressant parce qu'il ressemble peut-être aussi à Twitter au début, avec moins de monde, avec beaucoup moins de polémiques, voire aucune polémique. Il est très, pour l'instant, pacifié. Vous avez la timeline, vous avez les posts, vous avez les interactions possibles, vous pouvez mettre des vidéos, des photos, etc. C'est très, voilà, vous n'êtes pas perdu. Une utilisation de vos données qui est un petit peu différente. La pub, pareil, c'est vraiment marginal. Et surtout, Blue Sky offre à vous, utilisateurs, un contrôle sur l'utilisation qui est faite de vos données. Donc ça, c'est assez intéressant en termes, voilà, de sécurité. D'ailleurs, vous avez vu aujourd'hui que c'est pas sur Blue Sky, mais vous avez vu que au gouvernement, tous les cabinets sont invités à supprimer toutes les applis de messagerie et à la remplacer pour une appli française qui s'appelle Olvid, O-L-V-I-D. Au motif qu'elle est française et qu'elle est la seule qui passe le crash test de cybersécurité de l'ANSSI. Donc c'est aujourd'hui une appli, on va voir, ça va être intéressant de voir comment elle va évoluer. C'est une appli qui est assez géniale, qui ne vous demande pas de donner vos données, qui marche autrement et qui est une appli de messagerie qui fonctionne par ailleurs très bien. Donc Olvid, sachez que voilà, Elisabeth Borne a demandé à toutes les personnes qui participent au gouvernement, qui travaillent au gouvernement, au cabinet, de switcher, de supprimer sur leur téléphone pro les applis et de passer sur ce nouvel outil. Donc intéressant. Donc Twitter sans personne dessus. Voilà, je crois que c'est Le Monde qui résumait ça comme ça. Mais alternative intéressante. Et donc, ce que Blue Sky met en avant, c'est effectivement la volonté d'offrir aux utilisateurs un contrôle inédit de leurs données personnelles. L'idée, c'est vraiment que chacun sera propriétaire et pourra, s'il décide par exemple de quitter Blue Sky pour rejoindre un concurrent, eh bien d'emporter ses données avec lui. Alors ça, c'est vraiment l'idée à terme pour Blue Sky. Pour l'heure, la vérité, c'est que Blue Sky ne protège pas beaucoup les données de ses utilisateurs. D'ailleurs, c'est Le Monde qui remarque ça dans un article récent, au point que beaucoup d'informations normalement cachées y sont publiques, y compris les actions que l'on a annulées. Blue Sky se souvient ainsi des likes que l'on a délikés, des personnes que l'on a arrêté de suivre, qu'on a bloquées, qu'on a débloquées, et n'empêche pas les autres utilisateurs d'accéder à ces informations. Donc la plateforme promet des ajustements. Ça, c'est intéressant parce que Blue Sky, on voit en fait que c'est encore en train de se fabriquer, en train de se monter. Et que c'est aussi pour ça que le réseau n'ouvre pas grand les portes, c'est parce qu'ils ont du mal à suivre, et ils ont du mal sur la protection des données, donc il faudra voir, parce qu'à la base, Jack Dorsey, c'est vraiment pas un amoureux de la protection des données, bon, il s'est considérablement éloigné de l'appli, donc on verra comment ça va tourner. Mais 2 millions d'utilisateurs, c'est vraiment ridicule, donc est-ce que ça va prendre? Et moi, c'est la question que je me pose aujourd'hui, en fait, je me demande si Twitter doit mourir, est-ce que bah, finalement, rien ne va le remplacer? Vous savez, aujourd'hui, on peut très bien s'informer sur TikTok, on peut très bien s'informer sur Instagram. La seule chose qui différencie profondément X Twitter, c'est vraiment la relation à l'instantanéité. Mais la relation à l'instantanéité, elle va concerner des journalistes, parce que c'est leur métier, peut-être des communicants, parce que c'est aussi leur métier, mais enfin... les autres professions, on n'est pas obnubilé par l'actu qui arrive dans la seconde. Donc,
cet intérêt, il est finalement assez faible. Il ne va pas à lui seul soutenir un réseau entier. Et pour le reste, si je veux voir des vidéos, des contenus pédagogiques, je vais plutôt aller sur TikTok aujourd'hui ou sur Instagram. Twitter bénéficie encore de l'habitude, etc. Ah oui, il y a un truc rigolo que je ne vous ai pas dit aussi, c'est que pour pas mal d'études, le fait que Twitter ait perdu d'un coup, quand même en quelques mois, 14% d'utilisateurs, c'est lié à un truc tout bête, c'est que sur les téléphones, l'icône a changé. Et qu'il y a des gens, ils n'ont plus vu l'oiseau bleu et qu'ils n'ont pas associé le X à « Ah oui, c'est Twitter ». Non. Et du coup, ils ont arrêté d'y aller. C'est un peu comme quand vous mettez votre icône à la toute fin de vos pages sur votre téléphone et que du coup, le truc que vous aviez sous le pouce en première page, il faut scroller pour aller le retrouver. Bah, du coup, vous n'y allez plus beaucoup. C'est un peu le même principe. On voit à quoi ça tient aussi les réseaux sociaux. Donc aujourd'hui, des alternatives existent. Sont-elles viables, sont-elles pertinentes? Pour l'instant, on ne peut pas l'affirmer. Soit parce que la législation européenne bloque ces outils, soit parce que ces outils sont encore trop peu utilisés. Après, il faut toujours apprendre à marcher avant de courir, donc peut-être que si on se revoit dans un an, Blue Sky aura explosé. Mais moi, je me demande en vérité si Twitter doit mourir, si Twitter sera véritablement remplacé. Je ne suis pas sûr. Peut-être qu'on aura d'autres usages et peut-être que Twitter correspondait à une typologie d'usage, à une façon de naviguer et de s'informer qui n'est peut-être plus actuelle. D'autant qu'on le voit bien, ça on l'a vu dans pas mal de lives, toutes les études quantitatives, qualitatives montrent bien que les gens en ont marre des infos. Ils évitent de plus en plus les infos, surtout les infos anxiogènes, et Twitter, ça provoque du stress, ça provoque de la tension parce que c'est clivant. Peut-être que ça, c'est peut-être plus ce que les gens veulent. Alors après, il y a toujours une dichotomie, un décalage entre ce que les gens veulent et puis ce que les gens consomment. Les gens disent « Non, on veut plus ça », puis finalement, ils le consomment quand même. Mais il semblerait que là, on tienne quelque chose. Donc ce sera intéressant de voir sur l'an 2 du règne d'Elon Musk, sur X Twitter, ce qui va se passer. Parce que là, on va vraiment être à la croisée des chemins. Un réseau qui économiquement est en train de plonger, qui est abandonné par les gros annonceurs, qui n'est pas délaissé par les marques. Pour l'instant, on n'a pas constaté de fuite. Il y en a un petit peu dans l'actualité récente. On a vu des grands noms, des marques, des institutions arrêter Twitter. Mais pour l'instant, ça reste encore relativement marginal. Mais il est vrai aussi que Twitter, aujourd'hui, est un réseau qui survalorise les gens qui ont payé pour qu'on voit leurs tweets, mais ça n'a pas d'intérêt, qui survalorise des publicités qui ne sont pas très bien ciblées, de marques franchement douteuses. Au bout d'un moment, l'expérience utilisateur, elle va être abîmée définitivement. Mais ça aussi, c'est un vrai bon crash test. Mais regardez Facebook, on ne peut pas dire que ce soit le réseau des années 2020. Facebook, c'est un réseau qui a fait le bonheur des années 2000, 2010, qui aujourd'hui s'est un peu affaissé, un peu étiolé. Pour autant, il a encore des très gros chiffres. Alors, en termes d'utilisation véritable, c'est un peu différent, mais Facebook n'est pas mort. On voit aussi que ça prend du temps pour un réseau social de mourir. Ça aussi, c'est intéressant. On voit que c'est quand même des très grosses machines qui, même si elles se délitent, même si elles perdent de la vitesse, mettent du temps à concrètement disparaître. Alors écoutez, je ne sais pas si vous avez des questions. Valérie, si nous ne nous suivons pas sur LinkedIn, tu peux me suivre comme ça. Si tu n'as pas un code, moi, je peux t'en envoyer un. Merci Marianne pour le gentil message. Donc on verra ce qui va prendre la suite de X. Peut-être Blue Sky, peut-être Threads. Et peut-être, moi, c'est ma petite pièce, rien du tout. Voilà, moi, c'est ma petite pièce. Il y a cet élément d'actu très chaude. Mais l'actu très chaude, elle intéresse finalement un petit écosystème de gens dans quelques pays. Et je ne suis pas sûr que ça suffise à soutenir la puissance d'un réseau social entier. Après, Elon Musk va-t-il sortir de son chapeau intergalactique un nouveau réseau incroyable avec des tas d'applications, etc. Mais quand vous êtes en train de faire des choses bizarres avec les données de vos utilisateurs, quand vous êtes en train de faire de votre réseau une sorte de champ de tranchées où tout le monde s'affronte, allez derrière dire aux gens « Et maintenant, vous pouvez payer, vous mettez votre carte bleue et c'est super !»
Je suis pas sûr que ce soit très efficace. Mais on verra. En tout cas, on voit que Twitter X a baissé. C'est pas non plus un marasme absolu, mais on voit quand même que d'un point de vue économique, le monde économique s'interroge beaucoup, que Elon Musk ne les convainc pas. Et on va voir là, dans l'année qui arrive, quelles sont les orientations prises par le réseau. Va-t-il continuer son penchant vers l'affrontement permanent, le complotisme, le clivage ? Ou est-ce qu'il va décider de revenir en arrière, ce dont je doute extrêmement fortement ? Mon nom pour me retrouver sur LinkedIn, eh bien, c'est Simon Rubin, R-U-B-E-N. Voilà, tout simplement. Je vous ai mis un petit message de bienvenue en tout début de chat, donc je dois être dans le premier commentaire. Donc Simon Rubin, R-U-B-E-N. Et normalement, on me retrouve facilement. On me voit quand même un petit peu sur le LinkedIn du CFPJ, normalement. On doit pouvoir me retrouver. Et je t'envoie ça dès qu'on est en contact, bien sûr, avec le petit code qui va bien. Si vous avez des questions plus tard, bah, n'hésitez pas, hein, sur LinkedIn, on est assez actif au CFPJ, n'hésitez pas à vous renseigner. On a eu la chance d'avoir Ambre Franzen et Vincent Lecoq dans le chat, qui sont deux formateurs et formatrices du CFPJ sur ces questions de réseaux sociaux, notamment, parce qu'ils ont bien d'autres talents, et je ne peux que vous encourager à les suivre et à suivre leurs travaux et à suivre leurs actualités, parce que ce sont vraiment des gens d'abord très gentils, mais en plus extrêmement compétents, et que j'embrasse. Donc n'hésitez pas, et puis à grenouiller sur le site du CFPJ aussi, on a pas mal de ressources, de choses gratuites, hein, parce qu'il n'y a pas que des formations, il y a aussi plein de choses gratuites, on est content de vous les offrir et de vous partager nos expertises et nos points de vue. Et si vous avez des questions, bah, vous m'écrivez, si vous avez envie qu'on parle de sujets précis également, hein, vous n'hésitez pas, vous nous faites part de vos idées, tiens j'aimerais qu'on parle de ça m'interroge, moi au travail j'ai cet enjeu là, je me demande ce que je pourrais imaginer, on en parle. On avait parlé de Twitch, hein, d'ailleurs. Je ne sais plus qui dans le chat nous parlait de Twitch. On en avait parlé. Je pense qu'on avait un live là-dessus, d'ailleurs. Je pense, sans trop me tromper, c'est Christelle qui demandait Twitch. Et on a une formation, d'ailleurs, sur Twitch. On est très heureux d'avoir lancé. J'adore Twitch. Moi, j'ai TikTok et Twitch aujourd'hui. Ce sont mes réseaux préférés. Mais d'ailleurs, l'avenir du réseau social aussi, c'est le commentaire. Moi, le commentaire m'interroge beaucoup quand je vois TikTok qui marche bien, mais les commentaires sont pas visibles. Et quand les commentaires sont pas visibles, ça incite beaucoup moins à aller dans le clash et dans l'affrontement. Alors que Twitter, on voit tous les commentaires, ou quasiment tous. Et du coup, ça invite à rentrer dans la conversation et en général à se bagarrer, ce qui n'est jamais très agréable. Plein de sujets de réflexion, comme vous le voyez, comme quoi même les réseaux sociaux et même Elon Musk peuvent nous amener à des considérations philosophiques fondamentales. Et c'est très bien comme ça. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis, de m'avoir écouté et d'avoir participé. Merci beaucoup. Et puis, bah, moi, je vous dis à la semaine prochaine. Je ne sais pas du tout de quoi on parlera. Donc, si vous avez des idées, bah, surtout, vous n'hésitez pas à m'en faire part. D'ici là, portez-vous bien. Et évidemment, si vous venez en formation au CFPJ, vous me dites que je vienne vous faire un petit coucou. C'est la moindre des choses. À la semaine prochaine. Salut.